Chapitre 25, le syndrome malin de l'enfer, auteur Frédéric Christ. Jérémie, ils sont venus chez moi, dans mon appartement au début. Ensuite, Jérémie paye les pizzas. Sabrina raconte une blague un peu douteuse. Frédéric pense, tu es responsable de ce que tu dis. Comment veux-tu avoir un homme sérieux? Tu attires tous les chiens et il faut comprendre Jérémie, sa raison d'être jaloux. C'est normal que on te fait pas confiance. Fred répond, on serait pas déjà vu. Je pense que la mort n'existe pas et on revient toujours au même scénario de notre propre vie. Il a un mur et Sabrina répond, il prend des médicaments, c'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Fred répond, c'est aussi pour ça que je ne suis pas resté sérieux, neuroleptique, plus boisson énergétique, hypnotisé par Satan pour faire des péchés quand on dit la vérité sur l'islam. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour fusionner avec Dieu Jésus-Christ. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Dieu Jésus-Christ biologique. Je prie Dieu Jésus-Christ pour que les fruits de mes âmes soient de meilleure cuisine. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie, je gagne toujours. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir toujours raison, j'ai toujours raison. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir le pouvoir magique de la sorcellerie. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être un vrai prophète. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être sans péché. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être bien orienté. Je prie Dieu Jésus-Christ pour avoir la guidance. Je prie Dieu Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie, être immortel vers l'au-delà et l'infini, mourir plus pour ressusciter plus, assurant vie ne jamais mourir.